إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Donc on est arrivé aujourd'hui au chapitre, premièrement c'est le cours 82, et on est arrivé au chapitre As-Sabi'u wal-Ashroun, c'est-à-dire le 27e chapitre. Et aujourd'hui le titre de ce chapitre c'est Babun ma ja'a fi al-Nushra. Babun ma ja'a fi al-Nushra. Et al-Nushra, qu'est-ce que c'est? C'est le fait d'enlever la sorcellerie de quelqu'un qui a été ensorcelé. D'accord? Et donc, on va expliquer qu'est-ce qui a été mentionné de la part dans les hadiths et qu'est-ce qui a été mentionné dans les paroles des sahaba et des tabi'in à ce sujet-là et qu'est-ce que les ulama ont dit là-dessus. Et c'est ça ce chapitre en fait. Donc, premièrement, le cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, il mentionne un hadith qui est rapporté selon Jabir, qui dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit « An Jabir, anna Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam, su'ila an al-nushra, faqal » هي من عمل الشيطان رواه أحمد بسند جيد وأبو داود قال سئل أحمد عنها فقال ابن مسعود يكره هذا كله وفي البخاري عن قتادة قلت لابن المسيب رجل به طب أو يؤخذ عن امرأته وأي أي حل عنه أو ينشر قال لا بأس به إنما يريدون به الإصلاح فأما ما ينفع فلم ينهى عنه وروي عن الحسن أنه قال لا يحل السحر إلا ساحر وقال ابن القيم النشرة حل السحر عن المسحور وهي نوعان الحسن فيتقرب الناشر والمنتشر إلى الشيطان بما يحب فيبطل عمله عن المسحور والثاني النشرة بالرقية والتعوذات والأدعية والأدوية والدعوات المباحة فهذا جائز. اوكي دونك سا سا سي ليكسبليكاسيون دي بارول دو سا ان فرانسي مينتنان شيخ ابن سلام جابر. Que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a été questionné au sujet de al-Nushra et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a répondu c'est uniquement un acte du shaytan ou des actes des travails du shaytan. Al-Nushra c'est uniquement des actes de l'acte du shaytan. Après ça c'est rapporté selon Ahmed avec une bonne isnad et Abu Daoud. Il a dit qu'il a demandé à l'imam Ahmed au sujet de al-Nushra et l'imam Ahmed a répondu Ibn Mas'ud déteste cela, déteste tout ce qui a rapport avec cela. Là, Al-Bukhari, il a rapporté selon Qatada, il dit que Ibn al-Musayyib a dit qu'il y a un homme qui, rajulun bihi tib, yani rajulun bihi tib, c'est-à-dire un homme qui a eu de la magie ou qui a été ensorcelé, ou bien qu'on l'empêche d'approcher sa femme, c'est-à-dire il a été empêché d'approcher sa femme, hein, à cause de la sorcellerie. Est-ce qu'il peut enlever cette sorcellerie-là, est-ce qu'on peut lui enlever cette sorcellerie-là, et
Ibn al-Musayyib a répondu, oui, il n'y a pas de problème, ils veulent uniquement, disons, corriger la situation, arranger les choses, et dans ce cas-là, qu'est-ce qui est bénéfique, ce n'est pas interdit. Et l'imam, après Hassan al-Basri, ça a été rapporté qu'il a dit, personne n'enlève la magie excepté un magicien, ou que personne n'enlève la sorcellerie excepté un sorcier. Et ensuite, l'imam Ibn al-Qayyim, on cite ses paroles, l'imam a cité ses paroles, et il explique que al-Nushra, c'est d'enlever la magie ou d'enlever la sorcellerie de celui qui a été ensorcelé. Et c'est de deux catégories. Parce que dans qu'est-ce qu'on a lu jusqu'à maintenant, on voit qu'il y a une certaine contradiction, pas une contradiction, mais disons qu'il y en a qui disent que c'est bien, il y en a qui disent que c'est pas bien. Et la raison de ça, c'est parce que al-Nushra, elle a deux significations. Une signification dans la Jahiliya, avant l'islam, et une signification dans l'islam. Et la signification, donc c'est ça ce que le cheikh explique, il dit qu'al-Nushra, c'est d'enlever la sorcellerie de la personne qui a été ensorcelée, et c'est de deux catégories. La première catégorie, qui est bonne, la première partie, il y en a deux catégories, une qui est bonne puis une qui est pas bonne. Donc il dit premièrement, la personne qui veut enlever la magie et la personne pour qui on enlève, de qui on enlève la magie, eux ils se rapprochent tous les deux au shaitan pour faire ce que le shaitan aime. Et il illumine, le shaitan illumine la magie qu'il a fait ou la sorcellerie qu'il a fait de cette personne-là qui a été ensorcelée. Donc ça c'est la première catégorie, et celle-là c'est bien entendu la mauvaise forme de Nushra, celle qui fait appel au shaitan et à l'aide du shaitan. Et la deuxième catégorie c'est Al-Nushra avec le Ruqya et les demandes de protection à Allah subhanahu wa ta'ala et les azkars et la récitation du Coran et des choses de ce genre, donc ça c'est permis. Donc il y a deux catégories de Nushra, puis on va voir ça dans le chapitre du Cheikh Al-Fawzan, Inch'Allah, au fur et à mesure, le Cheikh il explique. Il dit, « Munasabatu hada al-bab lima qabla, anna al-Sheikh, lama zakara fi al-abwab al-sabika al-sihr wa ma jaa fih, wa zakara anwa'an min al-sihr, wa zakara ma ya'ammu al-sihr, wa ghayruhu min a'mal al-shayatin, wa huwa al-kahana. الكهانة والعرافة وكل ما هو من هذا القبيل من الشعوذات انتقل إلى بيان حكم النشرة فقال باب ما جاء في النشرة يعني من الحديث والآثار التي تدل على حكمها في الشرع وهذا في غاية المناسبة لأن الناس في حاجة إلى معرفة ذلك لأن السحر موجود ومن الناس من يبتلى به ويقع عليه السحر ويتضرر به والله تعالى ما أنزل داء إلا وأنزل له شفاء علمه من علمه وجهله من جهله ولا بد أن نعرف ما هو الدواء الصحيح للسحر الدواء الذي لا يمس العقيدة ونعرف أيضا ما يخالف العقيدة فنتجنبه وأيضا هناك من السحرة من يقول للناس أنا أعالج السحر وأنا فهذا أمر واقع لا بد من معرفته وبيان حكمه للناس. Donc le cheikh il dit que la raison pourquoi le cheikh Mohamed Ibn Abdul Wahhab a mis ce chapitre à cet endroit après avoir parlé de la sorcellerie et des catégories de sorcellerie et de tout ce qui a été mentionné au sujet du verdict à ce sujet-là, et aussi des actions qui sont faites par le diable, comme par exemple la voyance et tout ce qui a rapport avec le fait de prétendre connaître l'avenir et des trucs de ce genre. Donc après avoir parlé de tout ça, il vient maintenant et il parle du verdict au sujet de ce qu'on appelle al-Nushra, c'est-à-dire qu'est-ce qui a été rapporté de hadith et de hasar qui montre ou qui explique le verdict au sujet de al-Nushra dans l'islam. On voit donc que la raison ou l'endroit où ce chapitre a été placé dans le livre, c'est vraiment propice en fait
au contexte des autres chapitres, par rapport aux autres chapitres, parce que les gens ont besoin de savoir ces choses-là. Ils ont besoin de savoir comment faire pour enlever la sorcellerie, là, une fois qu'ils ont été ensorcelés par un magicien ou un sorcier. Et le cheikh dit que la sorcellerie, c'est quelque chose de présent qui existe. Et beaucoup de gens sont frappés de ces choses-là, par cette chose-là, et donc, lorsque quelqu'un est atteint de la sorcellerie ou de la magie, eh ben, ça lui cause beaucoup de tort, et donc, Allah, il n'a pas envoyé une maladie, excepté qu'il a envoyé avec un remède pour guérir cette maladie-là. Celui qui le sait, il le sait, celui qui ne le sait pas, il ne le sait pas. Hein. Donc, il y en a qui, bien entendu, il y a des maladies qui existent aujourd'hui, les gens pensent qu'il n'y a pas de remède. Mais ce n'est pas parce qu'il n'y a pas de remède, c'est parce qu'ils ne l'ont pas encore trouvé, ou bien ils ne le connaissent pas encore. Donc, c'est pour ça. Mais toute maladie a un remède. Donc, le cheikh, il dit que la Bouddha, c'est absolument nécessaire que les gens connaissent donc le remède correct et qui est bon pour enlever la sorcellerie. Et que ce soit un remède qui n'atteint pas la croyance. C'est-à-dire que ce ne soit pas un remède qui va, disons, nuire à ta foi et à ta croyance en l'islam. Donc, c'est important de le connaître. Et le cheikh, il dit que « وَمَا يُخَالِفُ الْعَقِيدَةَ فَنَتَجَنَّبُهُ » C'est-à-dire, tout remède ou toute chose, ou tout traitement ou chose qui serait en contradiction avec notre aqida, eh bien, il faut s'en écarter, s'en éloigner. Et il y a des sorciers aujourd'hui qui disent « moi je guéris de la sorcellerie et j'enlève la sorcellerie et moi je fais ». Donc, ça c'est une réalité qui existe et que les gens, ont subi parfois. Donc, c'est important de clarifier le verdict à ce sujet-là. Parce qu'il y a des sorciers qui font la sorcellerie pour frapper les gens et faire du mal aux gens, et il y en a d'autres qui font de l'argent avec les gens en leur offrant leur service pour enlever la sorcellerie d'un sorcier. Donc, et les deux sont haram, les deux c'est de la sorcellerie. Et de faire appel à un sorcier pour faire enlever de la sorcellerie, c'est aussi grave que de faire de la sorcellerie pour faire du tort à quelqu'un. Les deux sont équivalents, c'est de la magie, c'est de la magie. D'accord? Et donc c'est important de prévenir les gens pour pas qu'ils se laissent tromper, une fois qu'ils sont ensorcelés par quelqu'un, d'aller voir par exemple un sorcier pour prendre ses services. Et le chef dit ensuite, وَالْنُشْرَى بِضَمِّ النُّونِ وَسُكُونِ الشِّينِ مَأْخُوذَةٌ مِنَ النَّشْرِ من النشر وهو التفريق وهي كما فسرها الإمام ابن القيم حل السحر عن المسحور حل السحر عن المسحور وهي ضرب من العلاج سمي النشرة لأنه ينشر به أي يزال ما أصاب المريض وما خامره من الداء. Le chef dit que al-nushra, ça vient du mot al-nashr et ça veut dire la séparation. Et ça a été expliqué par l'imam Ibn al-Qayyim qui a dit que c'était le fait d'enlever ou de détacher la sorcellerie qui a été mise contre quelqu'un. Et c'est une sorte de guérison pour la sorcellerie. Et le chef dit qu'on l'appelle nushra parce que on enlève qu'est-ce qui a atteint la personne de maladie à cause de, par rapport à la sorcellerie et qu'est-ce qu'il a couvert de par rapport à la maladie qu'il a atteint, on l'enlève de lui, on lui enlève cette maladie-là. Après, il explique la première citation ou le premier hadith qui a été mentionné. Il explique sa signification. Il dit وفي قوله وقوله في حديث جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن النشرة أي النشرة المعهودة في الجاهلية وهي التي كانت من عمل الشيطان فقال هي من عمل الشيطان لأنها سحر والسحر من عمل الشيطان كما مر في الأبواب السابقة. Donc le cheikh explique que le premier hadith
qui rapportait selon Jabir que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été questionné au sujet de al-Nushra, et la Nushra qui est mentionnée dans ce hadith-là, c'est la Nushra qui était pratiquée dans la Jahiliyyah, c'est-à-dire la Nushra qui était pratiquée avant l'Islam. Et cette Nushra, cette façon d'enlever la sorcellerie sur une personne, c'était une méthode qui faisait appel au diable, et ça faisait partie des actes des diables, des shayatins. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « hiya min amal shayatin » ou « min amal shaytan », ça fait partie du travail de shaytan, c'est lui qui fait ce genre de choses-là. Le shaykh il dit « parce que c'est de la magie, hein, c'est de la sorcellerie, et donc la sorcellerie fait partie des actes et du travail du shaytan, comme on l'a vu dans les chapitres précédents. » رواه الإمام أحمد في مسنده بسند جيد وأبو داود في سننه وقال أي أبو داود لأن أبا داود من تلاميذ الإمام أحمد وروى عنه كثيرا من المسائل في المذهب ويوجد الآن مجلد مطبوع اسمه مسائل أبي داود وهي المسائل التي رواها أبو داود من أجوبة الإمام أحمد على الأسئلة التي ترد عليه. نعم أبو داود نعم هو تلميذ الإمام أحمد وكذلك الإمام البخاري والإمام مسلم كلهم تلاميذ الإمام أحمد. نعم دونك سي سا الشيخ يقول كوا يقول que الإمام أحمد a rapporté dans sa musnad avec une chaîne qui est bonne, et il dit que Abu Daoud a rapporté également cette chose-là dans son Sunan, et il a rapporté dans son Sunan, et le cheikh il explique que Abu Daoud c'est l'élève de l'imam Ahmad, hein, comme le frère, comme je disais, il est aussi l'imam Al-Bukhari et l'imam Muslim sont aussi deux parmi les élèves de l'imam Ahmad aussi. Et l'imam Ahmad a eu des centaines et des centaines d'élèves. Donc il en a eu beaucoup parmi les grands ulama. Et ça montre en même temps, disons, son niveau. Puisque quand on voit ses élèves, on peut quand même comprendre aussi le niveau de ce cheikh, c'est-à-dire par rapport au niveau de ses élèves. Hein? Donc c'était un des grands imams, et il a eu comme élève des grands imams aussi. Et le cheikh il dit que l'imam Abu Daoud, il a rapporté plusieurs des questions qui ont été mentionnées dans le mazhab de l'imam Ahmed. Et il y a actuellement un volume qui a été publié, qui s'appelle « Masail Abi Daoud », c'est-à-dire les questions d'Abu Daoud. Et en fait, c'est quoi ce volume-là? C'est des questions qui ont été posé à l'imam Ahmad, et l'imam Abu Daoud, il a écrit les réponses de l'imam Ahmad à ces questions-là. Le cheikh il explique, il dit « wa qal su'ila Ahmad anha », l'imam Ahmad a été questionné au sujet de al-Nushra, yani an al-Nushra, ma hukmuha, fa qala ibn Mas'ud yakrahu hadha kullah, ibn Mas'ud yakrahu hadha kullah. أي يحرم النشرة لأن السلف يريدون بالكراهة التحريم والمراد النشرة التي هي من عمل الجاهلين الحمد لله يحييكم الله ويحيي الحبارة في الشهر نعم c'est pas grave, le Hakim, alhamdulillah, barakallahu fik. Oui, qu'est-ce que je voulais dire? Ah oui. Donc, le cheikh, il dit que l'imam Abu Daoud, il a dit, on a questionné l'imam Ahmad au sujet de al-Nushra, et on lui a demandé qu'est-ce que c'est le verdict de l'islam au sujet de al-Nushra. Et l'imam Ahmad a répondu que Ibn Mas'ud détestait tout ça. Et tout ce qui a rapport avec al-Nushra. C'est-à-dire, le cheikh Al-Fawdan il répond, il explique, il dit, c'est-à-dire que Ibn Mas'ud interdisait al-Nushra, yuharrim al-Nushra. Et il explique en disant que les salafs, quand ils disaient yakra, ils voulaient dire tahrim. Parce que les salafs, ils ne disaient pas haram, ils disaient
makruh. Et pour eux, makruh, ça voulait dire haram. Ok? Et c'est pour ça que beaucoup de gens aujourd'hui, des fois, ils lisent les livres des fuqaha et des ulama, des paroles des salafs, quand ils disaient à propos de quelque chose, ça c'est makruh, eux ils s'imaginent que ça veut dire que c'est pas haram. Alors que c'est pas ça du tout. Eux, ils disaient le terme makruh dans le sens de haram. Ok? Et ils craignaient d'utiliser le terme haram, alors ils utilisaient le terme makruh à la place. Mais ils voulaient dire haram. Aujourd'hui, donc, il y a des gens qui ont rendu des choses, ou qui ont dit que des choses n'étaient pas haram, alors qu'elles étaient haram, parce qu'ils ont mal compris, disons, la terminologie qui était utilisée par les ulama des salafs à l'époque. Et, ça donc, c'est un point important à comprendre. Et qu'est-ce qu'il voulait dire, Ibn Mas'ud, en interdisant al-Nushra, il veut dire al-Nushra qui était pratiquée dans la Jahiliya avant l'islam, qui faisait appel au diable et aux shayatin. D'accord? Ensuite, le Cheikh dit, وفي البخاري, أي في صحيح البخاري, عن قتادة, قتادة ابن دعامة السدوسي, نسبة إلى جده سدوس, وكان من أكبر علماء التابعين, ويقال إنه ولد أكمه, يعني ليس له عينان, وكان نادرا في الحفظ والذكاء والفقه رحمه الله. حتى كان من كبار التابعين. لشيخ الذكر الإمام البخاري لما سلنا صحيح ده صحيح البخاري سلو قتادة. القتادة سنوس قتادة ابن دعامة السدوسي. par rapport à son grand-père qui s'appelait Sadous. et c'était un parmi les plus grands savants des tabi'in. c'est-à-dire un des plus grands savants parmi les élèves des sahaba. قتادة. On dit qu'il est né, né aveugle, c'est-à-dire qu'il était akma, c'est-à-dire qu'il n'était pas aveugle, mais il est né sans yeux, il n'avait pas d'yeux. Il y en a eu l'ida, laïsa lahu aïna. Donc il dit que, par contre, il avait une mémoire et une intelligence, une compréhension exceptionnelle dans la religion, jusqu'à ce qu'il devienne parmi les plus grands, parmi les savants des tabi'in. إذن قتادة اللي قلت لابن المسيب المراد به سعيد بن المسيب ابن المسيب أحد أعلام التابعين أحد الفقهاء السبعة التي انتهت إليهم الفتوى في زمانهم وهو عالم المدينة وفقيهها donc le cheikh dit que قتادة أدي سعيد بن المسيب Et Saïd ibn al-Musayyib, c'est un parmi les plus grands savants des tabi'in, un des plus grands fuqaha. Et c'est un des sept parmi les sept fuqaha sur qui est arrêtée la fatwa à l'époque. C'est-à-dire quand on dit la fatwa est arrêtée à sept personnes, disons sont arrivées à un niveau de connaissance où les sahaba ont dit, bon, lui il peut donner des fatwas. Eh bien, il y en avait sept parmi eux, et un de ces sept-là, c'était Saïd ibn Musayyib. Donc, ça veut dire que c'est un des plus grands savants parmi les tabi'in. Et donc, Qatada, il demande à Saïd ibn Musayyib au sujet de des choses dont il a parlé, comme par exemple, quelqu'un qui a été ensorcelé ou qui a été empêché d'approcher sa femme à cause de la magie ou des trucs de ce genre. Donc le chef explique, il dit « Rajulun bihi tib » Ok, et en passant, Saïd ibn al-Musayyib, c'est un des ulama de Médine, et un des fuqaha de Médine, d'accord. Donc ensuite il dit « Rajulun bihi tib » Ya'li anna Qatada ibn Di'ama su'ila, ou bien, pardon, سأل شيخه سعيد بن المسيب عن رجل به طب والطب معناه السحر أوكي. والطب معناه السحر يقال مطبوب يعني مسحور قالوا هذا من باب التفاؤل لأن الطب معناه العلاج كما يقولون للنذير سليم من باب التفاؤل بالشفاء دونك أو يؤخذ عن زوجته يؤخذ معناه
يمنع عن جماع امرأته فلا يستطيع جماعها بسبب السحر. Donc le cheikh explique ici que il a donc demandé à son chef Qatada ibn Dima'a a demandé à son cheikh Saïd ibn Musayyib au sujet d'un homme qui a tib. Et le cheikh explique que ici le terme qui est utilisé tib, en réalité le mot tib signifie la guérison. Quand on dit tabib, ça veut dire un médecin. Donc tib ça veut dire une guérison. Mais ici il est utilisé dans le sens de la magie. Pourquoi? Parce que c'est comme si pour dire qu'on souhaite pour la personne d'être guérie. Donc au lieu d'utiliser le mot sihr, on utilise le terme guérison pour, disons, donner un bon pressentiment à la personne, oui, pour être optimiste, pour montrer à la personne que il va guérir. Donc on utilise le terme tib au lieu du terme sihr. Et il dit que ça, on fait souvent ça. Par exemple, quand quelqu'un a été mordu par une bête, par un serpent ou un scorpion, au lieu de dire qu'il est mordu par une bête, on dit il est en bon état ou saline. Il n'est pas mordu. Au lieu de dire mordu, on utilise un terme qui implique qu'il va guérir pour être optimiste. Dans ce sens-là. Donc, c'est pour ça qu'il dit « Rajulun bihi tib » et il veut dire par là qu'il a été ensorcelé. « Aw yu'akhaz an zawjati aw an imra'ati » c'est-à-dire, ça veut dire que il a été empêché d'avoir des rapports sexuels avec sa femme à cause de la sorcellerie. C'est-à-dire, il n'est pas capable d'avoir des rapports sexuels avec sa femme à cause de la sorcellerie. Ça, c'est un exemple qu'il donne. Ayuhallu anhu aw yunshar. Yuhal wa yunshar yani aw yani bima'na wahid. C'est ce qu'il dit. Yuhal aw yunshar bima'na wahid. Yani hal yajuz an yuhal an hadha al matbub أو هذا المؤخذ أو مؤخذ ما أصابه. فأجاب ابن المسيب رحمه الله بقوله لا بأس أن يحل عنه أو ينشر أو ينشر. وقوله إنما يريدون به الإصلاح أي حل السحر يراد به الإصلاح بخلاف السحر نفسه فإنما يراد به الضرر. أما حله فيراد به الإصلاح وإزالة المرض عن الإنسان، فأما ما ينفع فلم ينهى عنه، أي أن الشارع جاء بإباحة ما ينفع وتحريم ما يضر، والنشرة من القسم الثاني أي من الشيء النافع. Ok, donc le cheikh il a demandé, Qatada, il a demandé à son cheikh Saïd ibn Musayyib au sujet de l'homme qui a été ensorcelé, celui qui ne peut pas approcher sa femme, est-ce que c'est permis pour lui de l'enlever, cette sorcellerie-là qui l'a atteint? Et son cheikh Saïd ibn Musayyib il a répondu en disant, il n'y a pas de problème, c'est permis de le faire. Ils veulent uniquement le bien. C'est-à-dire, ils veulent uniquement enlever cette sorcellerie-là, et ça, c'est quelque chose de bien. Contrairement à la sorcellerie elle-même, parce que la sorcellerie elle-même, c'est quelque chose de nuisible. C'est quelque chose de néfaste, de mauvais. Et donc, d'enlever la sorcellerie, c'est quelque chose de bien. Et on veut donc enlever la maladie qui a atteint une personne. Et, tout ce qui a été bénéfique, tout ce qui est bénéfique, eh ben, ça n'a pas été interdit dans l'islam. Allah subhanahu wa ta'ala, celui qui a légiféré les lois, eh ben, il a permis ce qui est bénéfique et il a interdit ce qui est nuisible et ce qui est mauvais. Et al-nushra, ça fait partie de la deuxième catégorie, c'est-à-dire ça fait partie de ce qui est bénéfique. Et le cheikh il mentionne par la suite, il dit wa qawluhu wa ruwiya 'an al-Hasan. Al-Hasan huwa ibn Abi al-Hasan al-Basri. Il dit al-Hasan huwa ابن أبي الحسن البصري أحد أعلام التابعين بالفقه
والعلم والورع والعبادة رحمه الله. Ici il dit que Al-Hassan, c'est, de qui on parle ici, c'est Hassan al-Basri. C'est un, c'est ça, c'est un des élèves des Tabi'in, un des élèves des Sahaba, pardon, un des grands savants parmi les Tabi'in. Il était, disons, un exemple dans le fiqh et dans la connaissance, dans l'ilm et dans la piété qu'il avait et dans l'adoration. Donc c'était un très grand parmi les grands ulama des tabi'in. Il dit wa qawluhu la yuhallu as-sihr illa sahir. Wa la yuhallu as-sihr illa sahir. C'est-à-dire, nul ne peut enlever la sorcellerie excepté un sorcier. هذا يتفق مع الحديث ومع قول ابن مسعود ويختلف مع قول ابن المسيب. Le Cheikh il dit que cette parole de Al-Hassan al-Basri, que nul ne peut enlever la sorcellerie excepté un sorcier, il dit ça c'est en accord avec le premier hadith qu'on a mentionné et la parole de Abdullah ibn Mas'ud citée par l'imam Ahmad. Toutefois, c'est en contradiction avec la parole de Saïd ibn Musayyib qu'on a lu en deuxième, qui disait qu'il n'y avait pas de problème de faire al-nushra, ou d'enlever la sorcellerie d'une personne qui a été ensorcelée. Maintenant, le Cheikh, il va expliquer la parole de l'imam ibn al-Qayyim. Il dit, قال الإمام ابن القيم النشرة حل السحر حل السحر عن المسحور وهي نوعان. جمع ابن القيم رحمه الله بين هذا الحديث وهذه الآثار في كتابه زاد المعاد فقال وهي نوعان أحدهما حل بسحر مثله وهو الذي من عمل الشيطان وعليه يحمل قول الحسن يعني في قوله السابق لا يحل السحر إلا الساحر وقصده حل السحر بسحر مثله وهذه هي النشرة التي سئل عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقوله فيتقرب الناشر والمنتشر إلى الشيطان أو الناشر والمنتشر إلى الشيطان بما يحب. الناشر هو الذي يعمل النشرة والمنتشر المنتشر هو الذي تعمل له النشرة. كل منهما المريض والساحر يتقرب إلى الشيطان بما يحبه فيخضعان له فيطيعانه فيما يريده منهما من الشرك والكفر بالله وفعل المحرمات فيبطل الشيطان عمله عن المسحور لأن السحر من عمل الشيطان وذلك في مقابل إفساد دينهم وعقيدتهم فهذا هو الممنوع فلا يجوز لمن أصابه السحر أن يذهب إلى السحرة لأنه إذا ذهب إلى السحرة فإنه حينئذ يتقرب إلى الشيطان بما يحب وحينئذ يزيل الشيطان عمله عن المسحور ولكن بعدها يفسد عقيدته ودينه فيخسر الدنيا والآخرة. Donc le Cheikh explique la parole de l'imam ibn al-Qayyim. L'imam ibn al-Qayyim a dit al-Nushra, c'est d'enlever la sorcellerie de la personne qui a été ensorcelée, et c'est de deux catégories. La première catégorie, donc, en fait, l'imam ibn al-Qayyim a réussi à rassembler ou mettre en ordre les paroles qui ont été mentionnées à ce sujet-là, qui semblent en apparence être contradictoires, et il les a clarifiées et expliquées. Donc il a dit, dans son livre Zad al-Ma'ad, il a dit que al-Nushra, c'est de deux catégories. La première catégorie, c'est d'enlever la sorcellerie par une sorcellerie qui est pareille, par une autre sorcellerie. On enlève la sorcellerie par la sorcellerie. Et il dit que ça c'est l'action des diables. Et c'est de cette forme de nushra dont parlait le hadith qu'on a mentionné au début, hein, le premier hadith selon Jabir. Et c'est aussi
de ça que par la parole de l'imam Al-Hassan Al-Basri quand il dit que c'est uniquement la sorcellerie, qui est un sorcier qui peut enlever la sorcellerie. Il parle de cette catégorie-là, c'est-à-dire d'enlever la sorcellerie par une sorcellerie pareille. Et il dit donc que ce qu'il veut dire, c'est ça, c'est la forme de sorcellerie dont le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à son sujet que c'était, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit que c'était l'action du diable. Après, il dit en ce qui concerne, ah oui, et puis ensuite il dit que la personne qui fait la sorcellerie pour enlever la maladie de la personne, et la personne qui a été atteinte de cette maladie de sorcellerie, les deux essaient de se rapprocher au diable, ou se rapprocher du diable, en faisant qu'est-ce que le diable aime. Hein, ça c'est dans la première catégorie. Donc, al-nashir, c'est celui qui fait al-nushra, c'est-à-dire qui fait la magie pour enlever la sorcellerie de la personne, et al-muntashar, c'est, ou bien al-mutanashar, c'est lui qui a été ensorcelé et qui demande au sorcier de le guérir. Donc, les deux, le malade et le sorcier, se rapprochent au diable et font ce que le diable aime, et ils se soumettent au diable et ils obéissent au diable pour que le diable enlève la sorcellerie qu'il a fait sur cette personne. Et donc, ils obéissent au diable dans ce qui a rapport avec le kufr et le shirk, avec Allah subhanahu wa ta'ala, et en faisant des choses haram pour annuler sa magie qu'il avait faite sur la personne qui a été ensorcelée. Parce que la sorcellerie, c'est l'action du diable, et donc il accepte de retirer sa sorcellerie en échange de la corruption de la croyance de ces gens-là. Et ça, c'est interdit dans l'islam. Le chef, il dit donc, c'est pas permis pour quelqu'un qui a été ensorcelé d'aller voir un sorcier pour faire enlever la sorcellerie. Hein? C'est comme le truc qu'ils utilisent là. Il y a une sorte de métal, de plomb, hein, qu'ils utilisent. Hein? Ouais, mais je sais pas si c'est quel, mais en tout cas, c'est une sorte de métal ou de plomb qu'ils prennent et ils le font soi-disant éclater sur la tête de la personne ou dans l'eau ou je sais pas quoi, et puis soi-disant ça va révéler la personne qui a fait la sorcellerie, et ça c'est une forme de sorcellerie aussi, et ça c'est aussi c'est haram, et ça se pratique dans les pays musulmans. Rafas, il appelait ça rafas, non, c'est comme une sorte de plomb, c'est non, ben en tout cas, si tu vas le chercher par un moyen permis, comme tu vas demander aux gens ou tu vas essayer de chercher pour trouver, ouais, ben c'est pas interdit de demander, mais c'est rare que les gens vont t'informer de ça. Mais de toute façon, mais t'as pas le droit de chercher en utilisant de la magie, tu comprends? Parce que souvent, si un sorcier va t'informer qui est-ce qui t'a fait ça, c'est parce qu'il utilise la sorcellerie pour le trouver. Et donc ça c'est interdit, tu vois, parce qu'il a un rapport avec les shayatines, avec les diables. Donc le cheikh il dit que c'est interdit d'aller voir un sorcier pour enlever la sorcellerie. Hein? Parce que lorsque tu vas au sorcier, alors tu dois te rapprocher au diable et faire ce que le diable aime. Et donc le diable accepte d'enlever sa sorcellerie sur cette personne. Mais en même temps il te corrompt ta croyance et ta religion. Et donc tu t'es perdant non seulement dans cette dunya mais dans l'autre vie après, parce que tu as fait un acte de kufr, hein, et de shirk en rentrant dans ce genre de choses là. Après le shaykh dit wa qala al-imam ibn al-qayyim wa thani an-nushra bil-ruqya wat-ta'awudhat wal-adwiya wad-da'awat al-mubaha fa hadha ja'iz. Ay an-naw' al-thani min al-nushra hal al-sihr bighayr al-sihr مما أباحه الله عز وجل، فالله ما أنزل داء إلا وأنزل له دواء، علمه من علمه وجهله من جهله، والسحر داء لا بد أن الله أنزل له شفاء، والرقية المباحة أنواع، النوع الأول
حل السحر بالرقية. OK. Donc on va expliquer ce passage. Ensuite, le cheikh il mentionne les paroles de l'imam Ibn al-Qayyim al-Jawziyya qui dit que la deuxième catégorie de pour enlever la sorcellerie, c'est la méthode qui est acceptée, qui est permise dans l'islam, c'est par les ruqya et par les demandes de protection et les du'as et les remèdes, ok, et les invocations et la lecture du Coran et toutes ces choses-là. Ça, c'est la méthode qui est permise d'utiliser pour enlever la sorcellerie. Et cette deuxième catégorie de nushra, eh ben, elle est permise parce que il n'y a pas de sorcellerie dedans. Il n'y a pas de contact avec les diables ou avec les shayatins. C'est uniquement la récitation des paroles d'Allah et des du'as, hein, et tout ça. Donc, dans ce cas-là, c'est permis. Et Allah subhanahu wa ta'ala, comme le cheikh il dit, il n'a pas envoyé une maladie, excepté qu'il a envoyé un remède pour venir avec. Ok? Et celui qui le sait, il le sait, celui qui ne le sait pas, il ne le sait pas. Hein? En voulant dire, cherchez et vous trouverez. Hein? Et il dit que as-sihr, donc ça fait partie des maladies, c'est comme une maladie, et donc il faut absolument qu'il y ait un remède que Allah a envoyé à ce sujet-là. Et parmi les remèdes que Allah a envoyé à ce sujet, il y en a plusieurs catégories parmi les formes de ruqya. Ok? Les formes de ruqya. Cheikh dit an-naw' al-awwal, hal as-sihr bir-ruqya, bi-an yaqra aw yaqra 'ala al-mas'hur min kitab Allah, fayaqra' 'alayhi al-fatiha, التي هي أعظم الرقى ويقرأ عليه الآيات التي تتعلق بذكر السحر وإبطاله مثل قوله تعالى في سورة الأعراف وأوحينا إلى موسى أن نلقي عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين وألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون. وفي سورة يونس قال موسى ما جئتم به من السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون ويحق الله الحق بكلماته ولو كره وقال موسى ما جئتم به السحر فإن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين. C'est bon? Non, parce que des fois il y a des fautes d'imprimerie, ça arrive, ouais. OK. Après le cheikh il dit وفي سورة طه وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى فألقي السحرة سجدا قالوا آمنا برب هارون وموسى. هذه الآيات من سورة الأعراف وسورة يونس وسورة طه يقرأها الراقي على المسحور بقلب حاضر وتوكل على الله سبحانه وتعالى وحسن ظن بالله واعتقاد أن الله يشفي هذا المريض، ثم على المقرو عليه أن يعتقد هذه العقيدة فيرجو الشفاء من الله ويثق بالله ويتوكل عليه ويعتقد أن كلام الله جل وعلا فيه الشفاء، فإذا حصل هذا التوجه إلى الله والتوكل عليه من الراقي والمرقى حصلت النتيجة بلا شك ولا ريب، وإنما تتخلف النتيجة إذا تخلف اعتقاد الإنسان أو غفل عن ذلك. الشيخ explique que la première façon d'enlever cette sorcellerie-là, c'est en faisant un ruqya, c'est-à-dire que la personne, quelqu'un va aller sur cette personne qui a été ensorcelée des versets du livre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est pas obligatoire que ce soit une personne comme un imam ou un cheikh ou quelqu'un en particulier.
n'importe quel musulman qui est un bon mu'min, il peut lire ces versets-là sur cette personne. Il n'y a pas de don particulier qui appartient à certaines personnes, comme certaines personnes pourraient s'imaginer qu'il y a des gens qui ont un don là pour enlever la sorcellerie ou des trucs de ce genre. Et actuellement, c'est ça ce qui se passe, malheureusement. Il y en a qui ouvrent même, comme certains frères ont dit, même j'ai entendu ça dans des explications de certains ulama, il y en a qui ouvrent des cliniques, dans les pays musulmans, pour soi-disant guérir de la sorcellerie, pour faire leur ruqya, et ils chargent les gens pour ça. Et comme il y en a un frère qui me disait même, ils remplissent des bouteilles d'eau, ils font leur ruqya dans l'eau, et puis les gens viennent et ils achètent de l'eau. Donc, ils font de l'argent avec ça. Donc, c'est devenu comme une sorte de commerce maintenant. Ils font ruqya par satellite. Donc, c'est ça. Et les gens, ils vont mettre leurs mains sur la télévision. Ouais, comme les évangélistes. Ouais. Les évangélistes chrétiens, ils font ça. Ils disent, mettez votre main dans la télévision. Et là, ils mettent la main sur la télévision, quoi. Non. Bien sûr. Comme on a expliqué déjà dans le chapitre au début, au sujet des gens qui vont rentrer au paradis sans jugement ni châtiment, on a expliqué que ça, c'est celui qui a réalisé le vrai sens du tawhid. Il va être parmi les 70 000 qui rentrent au paradis sans châtiment ni jugement. Et c'est ceux qui ne demandent pas aux autres de leur faire ruqya. Hein? Donc celui qui veut atteindre ce niveau-là de perfection dans son tawhid, il ne demande rien à personne et surtout pas de se faire le ruqya. Donc ça, c'est pas interdit de le demander, mais c'est quelque chose qui te diminue dans... disons ton tawakkul et ta foi et ton tawhid. Non, c'est Fatima de faire 33 fois subhanallah, 33 fois alhamdulillah, 33 fois Allahu Akbar et une fois oui je pense la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa mulku lahu alhamd, 34 fois Allahu Akbar. Oui, ça se peut. Oui, c'est ça. Donc, c'est pour dire c'est mieux de ne pas le demander, de ne pas demander à quelqu'un de faire ruqya pour nous et de le faire sur soi-même. Et, ou bien de le faire à quelqu'un sans le demander. Et qu'est-ce qu'il dit après le cheikh, il explique qu'il faut lire donc ces versets-là sur certains versets sur les personnes qui sont atteintes de sorcellerie. Et donc, il y a le fait qu'il ne faut pas croire que c'est cette personne-là elle-même qui a le pouvoir de guérir, mais il faut croire que c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui guérit, comme on va le voir dans l'explication. Le cheikh il dit qu'on peut lire premièrement surat al-Fatiha. Al-Fatiha c'est le meilleur verset pour faire la ruqya, et même il y a des hadiths qui ont été rapportés du prophète sallallahu alayhi wa sallam à ce sujet-là. Aussi, on peut réciter sur la personne qui a été ensorcelée tous les versets qui mentionne la fausseté de la sorcellerie. Comme par exemple dans le verset de Sourate Al-A'raf, les versets 117 à 122, où on montre que Moussa a eu, l'échange avec les sorciers de Pharaon et qu'il a lancé son bâton, puis que son bâton est devenu un serpent et qu'il a mangé tout ce que les autres sorciers avaient fait et qu'ils se sont prosternés. Et qu'ils se sont par la suite prosternés et qu'ils ont cru au Seigneur de Moussa, le Seigneur des mondes. Excuse. Donc après il y a le surat Yunus, le verset 81 et 82, la même chose aussi, un autre verset qui parle de Moïse lorsqu'il a eu la situation avec les... lorsqu'il a eu la situation avec les sorciers. Et il y a un verset dans Surat Taha, le verset 69 et 70, hein, la même chose aussi. Donc tous ces versets-là, c'est des bons versets pour annuler la magie, puis pour faire la ruqya sur les personnes qui ont été atteintes de sorcellerie. Et le cheikh il dit que donc la personne qui va réciter ces versets-là sur la personne qui a été ensorcelée, elle doit réciter ça avec un cœur présent. Elle doit être présente de cœur et mettre sa confiance en Allah subhanahu wa ta'ala avec une bonne intention et une bonne pensée.
pour Allah subhanahu wa ta'ala de croire que Allah va effectivement guérir cette personne et de croire que Allah subhanahu wa ta'ala c'est lui qui guérit la, cette maladie-là. Hein. Ensuite, le cheikh il dit que la personne qui est malade, lorsqu'on lit sur elle, eh ben elle doit avoir elle aussi cette aqidah et elle doit elle aussi, disons, croire et espérer en la guérison d'Allah subhanahu wa ta'ala et que cette guérison vient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il doit avoir confiance en Allah subhanahu wa ta'ala et mettre sa confiance en Allah subhanahu wa ta'ala et croire que la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala possède une guérison. C'est-à-dire que dans la parole d'Allah, il y a une guérison pour eux. Et si il y a cette, disons, si les gens se tournent sincèrement vers Allah subhanahu wa ta'ala et mettent leur confiance sur Allah, en Allah subhanahu wa ta'ala, et ben, que ce soit la personne qui récite et la personne sur qui on récite, et ben, on aura le résultat et il n'y a pas aucun doute là-dessus. Toutefois, si il y a un manque de sincérité de la part d'un des deux, ou qu'il y a, disons, un problème dans l'aqida d'un des deux, ou qu'il y a une sorte d'indifférence ou insouciance de la part d'un des deux, ben dans ce cas-là, ça risque de, disons, faire retarder ou de ne pas faire venir la guérison sur cette personne-là. Le cheikh dit « Wa al-na'u al-thani, hal al-sihr bit-ta'awudat, wa hiya al-ad'iya al-lati waradat al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam » فإننا نذكر بعضا منها أعيذك بكلمات أعيذك بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعيذك بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة أعيذك بكلمات التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر ومن شر ما خلق وزرأ وبرأ ومن شر طوارق الليل والنهار إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن باسمك الله بسم الله أرقيك من كل داء يؤذيك ومن شر كل نفس وعين حاسد الله يشفيك بسم الله أذهب البأس رب الناس أو اذهب البأس رب الناس اشفي أنت الشافي أو اشفي أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما ربنا الذي في السماء تقدس اسمك أمرك في السماء والأرض كما رحمتك في السماء تقدس اسمك أمرك في السماء والأرض كما رحمتك في السماء اجعل رحمتك في الأرض اغفر لنا حبنا وخطايانا أنت رب الطيبين انزل رحمة من رحمتك وشفاء من شفائك على هذا المرض فيبرأ بإذن الله هذه هي التعوذات. Donc le cheikh il dit que il y a une autre méthode pour guérir la sorcellerie, c'est de réciter des demandes de protection à Allah subhanahu wa ta'ala, de chercher le refuge à Allah subhanahu wa ta'ala en récitant des doigts qui ont été faits par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et le cheikh il a mentionné quelques-uns d'entre ces invocations-là, et vous pouvez les trouver dans les petits livres comme la citadelle du musulman ou bien des livres de dua pour faire la ruqya, des trucs comme ça qui sont authentiques du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite le cheikh dit wa an-na'u al-thalith ar-ruqya bi al-adwiya al-mubaha. Fa hunaka adwiya mubaha yudhhibu Allah biha as-sihr ya'rifuha al-huddaq وأهل التجربة وأهل العقيدة السليمة تنفع بإذن الله في إزالة السحر مع ذكر الله مع التعوذ مع الرقية ومع قراءة القرآن فإذا اجتمعت هذه الأمور المباحة نفع الله بها ولكن بشرط حسن الظن
إلا واعتقاد أن الشفاء من الله. فالحاصل أن النشرة كما ذكر ابن القيم منها شيء محرم، وهي النشرة التي كانت تعمل في الجاهلية وهي ما يعمله السحرة، ومنها شيء مباح وهي النشرة الشرعية، ولكن يشترط لها أن يتولاها من يوثق بعلمه ودينه، لا أن يتولاها أصحاب المطامع الدنيوية والمشعوذون الذين يفسدون عقائد الناس ويرهبونهم ويرهبونهم بالكذب والتججيل والتبجيل. انتهى الجزء الأول، ويليه إن شاء الله بإذن الله الجزء الثاني. Donc le cheikh il dit que comme troisième catégorie de ruqya, c'est ruqya avec les remèdes qui sont permis. Il dit qu'il y a des remèdes qui sont permis d'utiliser qui peuvent enlever la sorcellerie. Et il dit que ceux qui sont qui ont une expérience dans ce domaine et qui ont une bonne aqida et qui connaissent ces remèdes-là, ils savent quel remède utiliser et puis ça peut être bénéfique pour enlever la sorcellerie. En utilisant aussi le rappel d'Allah et en recherchant le refuge en Allah SWT, en mentionnant les invocations du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et en faisant un ruqya et en lisant le Coran. Donc si on réunit toutes ces choses-là qui sont permises, eh bien ça peut être bénéfique, Allah peut faire qu'il va y avoir une guérison. Mais il faut qu'il y ait comme condition, bien entendu, que la personne ait une bonne pensée à propos d'Allah subhanahu wa ta'ala et que la personne ait une bonne aqida en croyant que cette guérison-là vient d'Allah subhanahu wa ta'ala et non pas d'autre chose que Allah subhanahu wa ta'ala. Et le cheikh il dit que, donc pour résumer, on peut dire qu'un nushra, comme l'imam Ibn Qayyim l'a mentionné, il y en a une catégorie qui est haram parce que c'est la sorcellerie qui était faite dans la jahiliya et qui est faite par les sorciers, et il y en a une autre catégorie qui est permise, et c'est la nushra qui est faite en se basant sur les choses qui ont été permises dans la religion, comme la lecture du Coran, et par les exemples qu'on a mentionnés de dua et de remèdes qui ont été permis par Allah subhanahu wa ta'ala. Et bien entendu, il y a une condition que la personne qui va faire qui va utiliser ce genre de choses-là, ce genre de remède, eh bien, comme condition, il faut que ce soit quelqu'un en qui on a confiance en sa science et en sa religion, qui a une bonne aqida, et non pas aller vers les gens qui ont des intérêts pour la dunya, qui font ça pour de l'argent, ou bien des charlatans et des magiciens, des sorciers, des gens qui ont une mauvaise aqida et qui corrompent la aqida des gens et qui leur fait peur en leur racontant toutes sortes de mensonges et de choses ni contraires à la vérité. Donc ça c'est la fin de ce chapitre, et en même temps c'est la fin du volume 1. Donc on a complété, alhamdulillah, le volume 1, alhamdulillah, الذي بنعمته تتم الصالحات. Donc inshallah, on continuera à partir du volume 2, inshallah. Et le premier chapitre dans le volume 2, c'est Babul Maja Afit Tatayur. Donc, on va s'arrêter ici, Inch'Allah. Subhanakallah wa bihamdik. Shalom la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.